Salut les potes, donc vous l'avez vu, cette vidéo est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Vous l'avez aussi peut-être déjà vu sur les événements que j'avais fait en Belgique ou autre, la Paris Games Week. J'aime bien vous montrer un peu les coulisses de comment je prépare un événement, comment un événement se passe, que vous voyez un petit peu dans l'ombre ce qui se trame et vraiment l'ampleur du taf. Donc on vient d'arriver à Lyon pour la Lyon eSport. On va directement aller sur l'événement. Regarde derrière, il y a toute une équipe qu'on a mis en place pour justement avoir les humains solides pour pouvoir faire cet événement. On est venu en groupe, on a ramené plein de matos, mais le plus gros chantier là, il nous attend sur place. Donc on y va direct, direction Lyon eSport. On va installer le stand et vous allez tout comprendre. Si tout se passe comme on a organisé, comme c'est prévu, ça devrait être un énorme kiff ce week-end. Je pensais aussi, c'est pas 5 mètres ça. Si c'est faisable, go tout enlever. Tout enlever. Si c'est faisable, tout enlever. Ouais. On vient à peine d'arriver jouer sur le stand qui est prévu pour la Lyon eSport. Donc là voilà les petits derniers détails, on commence à prendre un peu possession des lieux, on découvre un petit peu aussi les choses. Là il y a le big boss de la Lyon eSport qui va arriver, histoire qu'on se mette voilà, directement sur la bonne ligne. Et on va récupérer nos badges, on va manger un coup et ensuite installation, vous allez voir ça un petit peu normalement en accéléré. Et une fois que l'installation est finie, croisons les doigts, on va pouvoir enfin aller se reposer un peu. Mais il reste encore quelques heures de boulot. On reprend le même que. Là il y a encore plein de soucis. On veut vraiment une installation précise, en train de faire au mieux pour optimiser ce qu'ils ont mis en place et ce qu'on veut vraiment. On est sur la bonne longueur d'onde, mais c'est à force de discussion. Faut pas lâcher. Faut négocier. Non, pas négocier, parce que négocier voudrait dire qu'ils essaient de bloquer de leur côté, tu vois. Donc faut pas lâcher et montrer qu'on sait où on va et qu'on peut aider, tu vois. Parce qu'aussi, on a de la main-d'œuvre, donc on peut aider à faire les choses. Donc vous allez voir, ça va évoluer très vite. Bon, comme vous le voyez, voilà, on a essayé de faire un peu bouger les choses, vous allez comprendre pourquoi. Là, avec la nouvelle installation, on va installer la régie devant qui sera du coup face à moi. Mais moi, ça me permet d'avoir une meilleure ouverture. C'est aussi plus convivial, plus disponible. C'est vraiment l'objectif pour moi quand je viens dans ce dispositif, quand je viens en LAN. Là, j'ai mon plateau, vous allez voir, il va se mettre en place, ce sera beaucoup plus joli après. Ça va le faire, maintenant, il faut tout installer. J'ai fait mon poids. C'est quoi toi ton rôle ce week-end? Couteau suisse. C'est un rôle parfait. T'es là, tu sais que tu vas travailler, mais tu sais pas vraiment ce que tu vas faire. Mais quand on aura besoin de toi, tu seras là. Je serai là. Dans quelques minutes, Diaz va arriver, tu vois. Ou par exemple, s'il y a Nikov et Erwash qui font une bonne game et que je les ai en interview juste après. Oh, ils vont réagir à la grosse performance qu'ils viennent de faire, tu vois, très vite. Ok. Quoi ton rôle du coup dans la production? Moi je suis ops. Toi tu montres du coup ce que les joueurs voient, c'est ça? En gros exactement. Sur le jeu donc, vidéo. La POV que les joueurs vont avoir, nous c'est celle qu'on va retranscrire. Sauf qu'on aura différents points de vue en fait. En gros si tu veux, les joueurs ils ont uniquement la vue troisième personne. Et nous en gros avec le mode ops du coup du jeu Fortnite, on a plusieurs autres points de vue différents, des points de vue aériens, façon drone. Ouais bon, mon rôle c'est ops, plus aspect drone. Faire des plans globaux de la map et essayer d'aller chercher des plans aériens, des petites scènes en fin de partie, quand il y a une zone serrée, prendre sur le côté, et puis voilà. Si en vrai ça va très bien se passer. C'est une très bonne journée qui se termine. Bah maintenant on verra demain pour le live. On va faire des très beaux plans drones, des très beaux travelling. Ça va être magnifique. Bilan de la première journée. Compliqué mais on est arrivé à nos fins. Mais ce qui est important c'est ce qui se passe demain. Donc Et confiant pour demain? Ouais vraiment ouais. Enfin, on va en parler justement. De toute façon il faut. Quoi qu'il arrive, il faut y croire. Super bien passé hein. Bah tant mieux, moi c'est ce que je veux entendre les gars. Le setup c'est super bien passé de votre part. Hein. Là du coup j'ai pas d'excuses, s'il y a un problème demain, je suis mort quoi. Bon, vous l'avez vu hier, hein, c'était plein de sueur, mais ça y est, on y est, le jour 1 de la Lyon eSport commence, on a bien dormi, pas beaucoup, mais voilà, suffisamment pour pouvoir y aller. De toute façon, dans tous les cas, il y a l'adrénaline, dans ce genre de moment, tu peux puiser dans tes ressources, et le chaos technique, tu le prends à la fin de la LAN quand tu arrives chez toi, donc ça va être lundi. Donc là, on va tenir sur nos réserves, mais tout est en place, on est assez confiant, on croise les doigts, parce que bah, tant qu'on est pas en game, tant que tout se déroule pas bien, on est dans le flou.
Mais au moins voilà, notre installation est en place, on est très satisfait de ce qu'on a, même si on voit déjà les améliorations à faire pour l'édition suivante, donc sûrement la prochaine LAN. On espère avoir de belles games, du beau monde qui passe sur notre dispositif et qu'on fasse kiffer un max de monde dans toute la France. Et salut tout le monde et bienvenue pour cette Lyon eSport 2020. On y est, ça y est, j'espère que vous m'entendez bien. Ça me fait extrêmement plaisir d'y être enfin. Et je sais que je vois là sur le chat, vous êtes déjà très contents que ça commence aussi. On est directement dans le bain, tout est en train de se mettre en place. Ça a démarré comme n'importe quoi aujourd'hui, donc j'ai même pas eu le temps je crois de vous dire un petit mot alors que là il est déjà 18h. Je fais ma première on va dire petite pause en live de 5 minutes. Mais vous avez vu mon but c'est de toujours avoir du contenu, toujours proposer quelque chose. Donc en fait même pour vous les coulisses c'est compliqué de prendre du temps. On tient le rythme, la fatigue commence à s'accumuler. Mais on tient l'adrénaline, on tient aussi avec les messages positifs qu'on reçoit, que ce soit sur le chat, mais surtout aussi dans la zone joueur où tout le monde vient me voir en mode ah, c'est incroyable ce que tu fais pour la scène, tout. Enfin, c'est gratifiant, il y a de tout âge, hein. Il y a des petits qui me disent ça, puis il y a des darons qui me disent ça en mode c'est incroyable ce que tu fais, le travail paye, c'est des phrases qui reviennent beaucoup, ça me fait trop plaisir, et donc du coup on tient avec ça forcément, et ce soir on va bien dormir pour finir en beauté demain. Je prendrai peut-être sûrement plus de temps demain, d'un peu plus proposer de suivre, ou même peut-être à la fin de l'événement on restera, on fera peut-être un petit peu plus le tour, quand ce sera plus tranquille, mais là la priorité au direct. On y retourne. On prend direct. Ok, go. Je lance. Et on est normalement de retour. Hein, si tout fonctionne bien, on va essayer de décrocher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. J'aime plus ce mot de commentateur ou producteur, organisateur, présentateur que le mot influenceur, parce qu'influenceur voudrait dire que j'essaye de mettre des choses dans la tête des gens. Donc c'est pas du tout ça, je suis juste là pour partager ce que j'aime, des petits rêves que j'avais quand j'étais gosse et qu'on m'a toujours dit t'es sûr, t'es un peu bizarre, etc. Et qu'au final en grandissant j'ai eu la chance de connecter avec ma génération, avec ce qui m'entourait. Je sais que j'ai un énorme coup de chance que bah, forcément l'internet s'est développé en France spécifiquement à cette période là. C'était long. C'était long parce que c'est vrai qu'il y a Vato qui était passé qui a dit ça et qu'il a raison. Tellement d'attente entre les games que ça te joue sur ton physique, tu vois. Faut tenir le. C'est vraiment les LAN, c'est un marathon et encore, ça aurait pu être pire. Mais au moins, les personnes qui sont passées sur live m'ont donné énormément d'amour. Les viewers qui étaient là sur le chat, c'était incroyable. Donc en fait, ça te motive et tu restes concentré, tu restes focus. Mais dès que le live se termine, t'as le coup de barre là qui est en mode. Boom. Tu n'es qu'un homme, hein, n'oublie pas. Donc on va aller se reposer, on va ranger un petit peu ce qu'on a rangé, préparer aussi un petit peu ce qu'il va falloir améliorer pour demain parce qu'il y a encore des choses à checker. Et sinon là on va shut down dans le lit et rendez-vous demain, mais ça va être le plus important demain, ça va exploser, vous allez voir. Boom. Morgan, on m'a dit que tu pétais la forme ce matin, c'est vrai? Bof. Bof. Si, mais pour dire 10 minutes en début de live, là. Ça y est, on est ready, prêt à lancer pour cette dernière journée, il est 10h16. On va live jusqu'à quelle heure à peu près? 18, 20, 21, ah. Max je pense. Après des montages et puis faire la fête et puis dormir et puis oui, on recommence une semaine quoi, normal. Rentrer à Paris? Ouais. Là je me le t-shirt du coup c'est comment? J'ai pris la photo. Cash price, point, c'est nickel, donc ça j'ai tout sur une fiche. 7 minutes.
au moins j'aurai le temps de te répondre, parce que là on est très pressé. Ouais. Et mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième et dernière journée de cette Lyon Esport 2020. C'est un plaisir de vous retrouver, on a bien dormi, on s'est reposé, on est revenu en forme pour vous faire rêver et pour vous partager tout ce qui se passe ici en direct de Lyon. Et je suis assez content comment se sont déroulées les choses hier, même si vous l'avez vu au début on avait pris un peu de retard, comme ils l'ont dit, ils ont vite trouvé un rythme de croisière et finalement on avait fini à 23h, ce qui était quasiment prévu. Donc gros bravo d'ailleurs à la Lyon Esport qui a vraiment bien géré cette première journée, c'est vraiment pas facile. Et là du coup aujourd'hui ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins de joueurs. Just bounce it. Everybody wanna come, I'm announcing it. I'm always gon' get it, I'm always gon' get it. Even if you sit back denouncing it. But I'm a good kid, I rock gold, I'm never gon' sleep with ya. I loved you, I've been wrong, but let me see the whole damn picture. But damn, I got it. Super motherfucker when he popped it. Fake ass ride when he copped it. Rolled a snowmobile, so I know it's real. Nobody's ever really gonna stop it. Goddamn, yes ma'am. Can I do what I can? 5 kills, c'est la dernière question, on est 50 000 viewers pour terminer. Mesdames et messieurs, vous pouvez tout faire péter sur le chat, allez-y, 50 000 viewers, vous l'avez fait, moi et vous avant, juste pour vous vendre de la dame. Je suis au taquet, je remercie la Lyon Esport de nous avoir donné officiellement le cast. À peine de finir la LAN, vous avez vu à mon avis beaucoup d'images parce que je te voyais beaucoup rôder autour de moi, donc j'espère que vous avez bien compris tout ce que je voulais mettre en place et aussi peut-être un peu observer la difficulté que c'est de mettre un truc aussi gros en place, surtout quand moi dans mon concept je suis coincé en live tout le temps, il y a très peu de moments où je pars, où je mets des pauses, ce qui fait que je peux très difficilement recommuniquer avec mes équipes, donc en fait tout doit être très très bien millimétré au niveau des responsabilités, qui doit faire quoi avant le lancement, parce qu'après moi je peux plus du tout intervenir ou très peu. Donc non, très content parce que c'était une journée quasi parfaite dans l'idée que j'avais de ce dispositif. Donc je suis très très fier. En même temps, on a fait plus de 51 ou 52 000 viewers. Ça c'était en plus ça la petite cerise sur le gâteau. Mais au-delà de ça, je suis content parce que j'ai quand même bien pu retransmettre ce que je voulais. Donc maintenant j'ai qu'une envie, c'est bon, me reposer. Après c'est de bosser sur l'amélioration de ça et de voir à quoi ça va ressembler à la GA. Tu vois, déjà je commence à visualiser. Tu vois là j'ai envie de juste qu'on je claque des doigts, on se téléporte à la GA et que je suis devant le dispo parce qu'on vient de finir d'installer, hein, bien sûr, c'est toujours le moment un peu difficile l'installation. Et que je suis en mode eh ben c'est parti, on y va. On y retourne. Enfin j'ai à peine de finir que j'ai déjà envie de retourner, c'est quand même, je suis quand même bizarre. Hein. Mais parce que j'adore ça. Hein. Ouais. Je crois que je suis piqué. Hein.